En compétition, il s'agit de rouler vite en spécial et en circuit. En revanche, dans les plateaux régularité, le jeu est de respecter une moyenne horaire. Et là où ça se corse, c'est que le règlement impose aux équipages de n'utiliser que des compteurs de voitures et des chronos à aiguilles. Un jeu parfait pour Michel Perrin, copilote de grand renom et vainqueur du Tour Auto en 86 avec Chatrian. Notre voiture est équipée d'un compteur d'origine, mais elle dérive de 1 km tous les 12 km. C'est-à-dire quand on fait 11 km sur l'autoroute, elle en fait 12. Je me suis fait des tables où les kilomètres de l'alpha, quand on a fait 11 km, eh bien elle en fait 12. Et je lis ces tables-là tous les 100 mètres. Et Nicolas, en conduisant, regarde le compteur et quand on est tous les 100 mètres, je lui dis top et il me dit qu'il est en avance ou en retard, il se règle par rapport à ça et je lis le roadbook à côté.